on se lève dans une voiture. Vous êtes déjà réveillé le lendemain d'une cuite dans une voiture? Eh ben moi non plus. Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui nous partons à l'aventure. Il est quasiment midi. Nous allons partir donc à l'aventure. Nous avons beaucoup de nourriture. Nous avons tué deux cerfs la dernière fois. Nous avons massacré deux cerfs. Et on a loupé un loup de très près. Mais on l'a loupé quand même. Donc maintenant le but, donc nous sommes là, on va peut-être dessiner pour avoir le nom, je crois que c'est un, je pense que c'est un bâtiment assez gros pour qu'on ait le nom, à moins que la peinture l'aurait déjà montré, je sais pas trop, on va voir, maintenant, on va le faire maintenant sinon je vais oublier, la porte là-bas. Et après on va voir tout ce qu'on prend, on va re-rentrer etc, on va voir tout ce qu'on prend. Donc aujourd'hui nous allons vers l'épave de l'avion crashé. Et après on ira donc camper. On va faire ça. Et après on ira camper. Oui, il fait froid. Oui, voilà, oui, c'est un bâtiment assez gros. Très bien. Et après on ira donc camper au mont. Enfin, pas au mont à proprement parler. Mais près du mont Timberwolf pour aller partir. Enfin, partir, commencer notre ascension. Je voulais parler aussi d'une chose, donc petite dédicace, merci Lucie du Discord, et qui est assez active pour The Long Dark, c'est vrai. Donc, on a une mauvaise nouvelle. Alors, ce que vous venez de voir là, le petit freeze, ça va faire au moins 2 ou 3 épisodes que j'en parle, petit freeze de sauvegarde. Donc moi, le freeze est apparu après la mise à jour Winter's Embrace, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Donc maintenant, l'événement est fini, je crois. Et en fait, donc ces sauvegardes-là, enfin ces problèmes de sauvegarde de Freeze, sont pas sur toutes les sauvegardes. Donc j'ai fait une nouvelle sauvegarde, parce qu'elle m'a dit qu'apparemment sur sa nouvelle sauvegarde, ça le faisait pas. Et je l'ai fait, et ça le fait pas. Donc j'ai l'impression que cette sauvegarde, donc la sauvegarde de la survie du week-end, quoi, va tout le temps, dorénavant, avoir un Freeze sur les sauvegardes. Et ça va être extrêmement relou à jouer. Alors après dans le jeu, si on réfléchit 2 secondes, c'est vrai qu'on sauvegarde quand on rentre dans des bâtiments et tout ça, ça c'est pas grave. Après il y a la sauvegarde si on se fait, si on se blesse, ça c'est un peu plus chiant. Par contre il y a oh, la bonne crique lugubre, parce que j'ai pensé à ça en fait, le moment où ça sauvegarde. La bonne crique lugubre, vous avez des loups gris qui vous foncent dessus en fait, qui vous attrapent pas, il n'y a pas d'animation comme ils vous attrapent, ils vous foncent dessus, ils vous foncent à travers en fait. Ils vous chauvent. Et le truc c'est que ça sauvegarde à chaque fois parce que vous prenez des dégâts. Je pense que là, honnêtement, retourner dans cette zone avec ce problème de sauvegarde là qui fait friser le jeu pendant 2-3 secondes, ça va être une catastrophe, ça va être une horreur absolue à jouer. Donc voilà, je voulais prévenir. Je voulais complètement prévenir ça. Je crois que ça va être un truc horrible à faire, ok? Ça va être vraiment horrible d'y retourner. À cause de ce problème. Et évidemment, bien sûr, ça le fait pas sur toutes les sauvegardes. Donc il y a des gens, hein, j'ai regardé sur le forum de Steam, il y a des gens qui ont ce problème-là. Mais pas tous. Et puis si vous faites une nouvelle sauvegarde, en fait, vous l'avez pas, du coup, le problème. Donc du coup... je pense pas que c'est remonté aux oreilles de Interland, parce qu'ils doivent pas tester leur jeu. Hein. Je commence à être assez intransigeant avec eux, et assez gavé en fait. Ah tiens, il y a toujours notre troisième cerf là-bas. Je suis assez gavé en fait avec leur mise à jour, honnêtement, parce que j'ai déjà eu la même chose avec genre Fallout 4, tout ça, pendant toute l'année, ou 2 ans, je crois que j'y ai joué à peu près. C'était tout le temps des problèmes avec les mises à jour, j'ai des bugs qui sont restés jusqu'à genre maintenant, même de nos jours, il y a toujours les mêmes bugs qui ont été fixés en fait avec les mods et tout ça. Comme j'ai dit, XCOM 2 c'était aussi la même chose, des bugs qui ont mis plus d'un an et demi à être fixés alors que les gens qui ont créé des mods l'ont fixé en une semaine. Enfin, voilà. Et honnêtement eux ils commencent à être dans la même branche, alors je sais pas ce qui se passe. Je sais qu'il y a eu la pandémie, machin, tout ça. Je suis en train de regarder l'inventaire en même temps que je parle. Vous inquiétez pas, après on va partir. Je sais pas ce qui se passe avec eux, mais ils commencent à filer du mauvais coton, honnêtement. Ils commencent à faire exactement la même chose, et ça commence à être un gros problème. J'ai pas envie de continuer un jeu qui est de plus en plus broken à chaque mise à jour. J'ai pas envie à chaque... Déjà, j'ai déjà, et je l'ai dit ça sur mon Discord, j'ai prévenu tout le monde déjà, même, enfin j'ai dû sûrement en parler. Les mises à jour ne sont pas automatiques pour ce jeu-là, pour moi, pour Steam.
Je l'ai désactivé pour pouvoir voir si y a vraiment ça détruit les sauvegardes, si jamais il y a des mises à jour. Parce qu'il y a des mises à jour qui vraiment foutent vraiment la merde. Donc j'attends de voir s'il n'y a pas des correctifs avant qu'ils sortent. Et tout ça, donc je fais pas les mises à jour automatiquement. Donc rien que ça. Et ça commence à être un peu gavant. Ça commence à être un peu gavant. Je crois qu'on est prêt à partir. On est à 46 kilos, c'est pas mal. Je crois qu'on est bon à partir. On a 4... on a qu'à se mettre plein. Et on va jeter celui-là et on va en prendre un tout neuf. Ça nous fera 4 steaks. Et on va faire comme ça, ligne là. Là. Normalement, c'est là, je crois. Il va falloir passer une rivière. Et après, il y a un passage, en fait, avec... je crois qu'il y a des voitures abîmées. Je suis pas trop sûr. Mais c'est un peu zigzagué, en fait, là, ici. Il y a beaucoup de... Ça va à droite, ça va à gauche, etc. Donc là, on a un temps assez ok. Donc je pense qu'on va avoir une bonne visibilité. Mais on va voir. On va partir, maintenant. On y va, on y va. Alors, hop, et on prend. Par contre, il fait un peu froid, donc c'est un peu relou. J'avoue que c'est un peu chiant le côté froid là. C'est quoi ça là-bas? Oh non, c'est un ours. Sans déconner, c'est un ours? C'est un ours ça. Je crois que c'est par là. Attendez, là-bas il y a la... Ah putain, il y a un cerf juste là. Là-bas il y a la ville, donc ouais, nous c'est vers les montagnes, c'est là. Ouais, c'est un ours. On pourrait se le faire. Mais il n'y a pas vraiment de maison en fait. Parce que là, ça ferait vraiment... Ça serait vraiment bien pour la peau en fait. Ah, qu'est-ce qu'on fait? Ah, ça m'embête. Ça m'embête un peu. Parce qu'il n'y a pas de maison ou quoi que ce soit pour se protéger. Attends, on va pas faire ça parce qu'on fait froid quand même. Après, je sais que là, dans la forêt, là-bas, je crois qu'il y a des maisons brûlées, il y a un cadavre et tout ça. Mais bon, honnêtement, on va pas vraiment trouver grand-chose. Donc on va pas y aller. Donc nous, on va directement aller par là. On va juste regarder ça vite fait. Oh, flair, très bien. Outil simple. Ça fait lourd, ça fait très très lourd. Je pense qu'on va essayer de trouver un abri avant de faire tout ce qui est avion. Parce qu'il fait quand même très froid hein, et c'est un problème. Par contre, si l'ours... Oh non, il commence à faire du vent. Si l'ours revient, si on trouve un endroit où se protéger, on va peut-être se le faire. Ça nous ferait en plus de la de réserve de nourriture. Ça serait vraiment cool. Donc on va voir si on trouve une maison. Je pense qu'il y en a, mais je suis pas sûr. Comme j'ai dit, cette zone-là, là, toute cette ligne-là de cette map, je la connais pas énormément. La plupart du temps, je vais juste au mont Timberwolf et puis basta. Je me balade pas vraiment de ce côté-là. Donc on va voir. Mais voilà, le problème des sauvegardes, je pense que ça va rester. Et ça va être très très embêtant pour moi. Surtout pour moi pour jouer. Et après pour regarder, c'est vrai que c'est chiant. Hein, donc vous voulez pas avoir un jeu qui freeze quoi. Mais il n'y a aucune chose que je peux faire. Il va falloir attendre des modeurs, honnêtement. Il faudrait attendre des modeurs qui modifient les choses. Par exemple, je peux vous donner un exemple. Oxygen Not Included, par exemple, c'est un très bon jeu. Qui peut durer aussi très longtemps et tout ça. Et au fur et à mesure que le temps passe, la sauvegarde en fait doit enregistrer pas mal de choses. Mais des fois, la sauvegarde en fait enregistre des choses qui sont pas vraiment utiles. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des logs en fait de ce que vous avez fait dans le passé qui sont dans la sauvegarde. Et du coup, la sauvegarde, en fait, prend... C'est un peu comme des fichiers Photoshop, où vous gardez l'historique, en fait, de ce que vous avez fait. Du coup, le fichier, en fait, est extrêmement lourd pour rien, parce que l'historique, en fait, vous en avez rien à foutre. Du coup, et il y a des modeurs pour Oxygen Not Included qui changeaient ça, et du coup, qui évitaient d'avoir une sauvegarde qui était trop grosse, parce que du coup, ça mettait des lags. Quand la sauvegarde chargeait, ou alors quand ça sauvegardait.
Donc voilà, donc je pense qu'il faudrait faire, je sais pas, quelqu'un, la même chose on va dire pour The Long Dark. Là on a une corde. Là on a une corde, je crois pas qu'on ait de... On a des lapins aussi. On a une maison juste là. Je sais pas si on peut rentrer dans la... Si on peut rentrer dans la maison, j'ai honnêtement envie de déposer le matériel là-bas, là-dedans. Et après on va aller chasser l'ours, peut-être, non? Ce serait une bonne idée. Après on a pas mal de lapins, on en a deux ou trois je crois. On a la corde à prendre. Je crois que la corde là monte tout en haut là-bas par exemple, là en plein milieu de l'écran. Mais après je crois que vous pouvez faire le tour à pied donc c'est pas très grave. Ok c'est parfait. On va pouvoir se réchauffer là-dedans. Bon ben voilà, on a fait notre ascension, déjà ça a commencé. Voilà, très bien. On a déjà un peu avancé. Et là, on a trouvé un nouveau camp. Donc, on va pouvoir dormir, se reposer. Il fait chaud et tout. Donc, c'est très bien. Donc, vraiment cool. On va pouvoir faire notre un petit tas de bois et tout. Donc, vraiment sympa. On va récupérer... J'ai cru voir des champignons. Il y a des troncs d'arbres là. À couper, donc on ira récupérer des champignons aussi. Il y a rien vraiment. Il y a un nouveau. Par contre, du coup, j'ai envie de faire ça. Bon, déjà le bois. Très bien. Et du coup, on pourrait, genre. Prendre l'ours, mettre la peau ici, et le temps qu'on aille au Mont Timberwolf et tout ça et qu'on redescende, la peau sera sèche. C'est pas mal hein, comme idée, c'est pas mal. Hein. Je sais, c'est une très très bonne idée. On va faire ça, on va faire ça. On peut mettre combien? Je sais que 5 kilos. Ah, c'est bon. Quoique ça s'abîme pas. Ça par contre... Alors on peut pas. 3... Ah non on est déjà à plus de 2. Aïe 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 aïe. Et après je crois que Interland ont la fâcheuse habitude de pas regarder les forums de Steam. Ils disent toujours d'aller sur leur forum en fait à eux. Et je vais être honnête, même moi, je crois pas que j'ai un compte. J'ai peur qu'il s'abîme en fait de le laisser comme ça. J'ai envie de le mettre dans un tiroir moi à la place. Donc je... Honnêtement, c'est un peu le problème. Je pense que personne va vraiment sur leur forum à eux, de Interland. Et du coup, ils doivent vraiment pas être au courant des problèmes. Et puis comme j'ai dit après, hein, c'est un petit groupe de développeurs, donc... Enfin, voilà quoi. Ça on va peut-être le déchirer. On va les poser par terre. On va peut-être le déchirer. Qu'est-ce qu'on a un peu de lourd? Ok. Ça aussi. On va le mettre là. Très bien. Et le bois, bon, on va pas le mettre, j'ai mis trop de trucs. On va le mettre là, comme ça c'est juste devant. Non, comme ça, hop, comme ça on le verra. Voilà. Ok, très bien, on est à 33. 33. C'est parti. C'est parti, c'est parti. On va pouvoir dormir ici. On a de l'eau. Il faudrait du bois. Il faudrait du bois maintenant. Un peu de bois. D'abord on va peut-être prendre les champignons et tout ça, histoire de faire le plein. Alors après on a les lapins, est-ce qu'on prend les lapins ou pas? Honnêtement, je sais pas trop. Ah il fait quand même un peu froid. Quand il fera meilleur, genre peut-être la prochaine journée, genre qu'on ait qu'une seule flèche qui va vers le bas. Là on en a deux, il fait moins 8. Ouais, ah moins 8 ça passe à la limite j'ai envie de dire.
Parce que c'est un peu loin en fait, la ville. Alors je sais pas si on... Si ça vaut le coup de faire des allers-retours, vous voyez ce que je veux dire? Pour aller à l'avion. Genre revenir dans cette maison. Si on avance, je crois qu'on va pas revenir. Par contre, il y a plein de lapins. On va d'abord se faire un petit camp ici, ok? Comme ça, on sera tranquille. Et je vais voir... Oh, il y a un cerf. J'aurais bien voulu que l'ours vienne. Après, est-ce qu'on peut prendre la corde? Ah, il y a deux cordes. Bah non, ça va trop nous fatiguer. J'imagine qu'il y a peut-être une grotte entre les deux, mais... ça va être relou, quoi. Ça va être bien relou. Par contre, on va dessiner, parce que j'ai pas dessiné. Il commence à faire nuit, de toute façon. On va dormir là, on va pas aller trop loin. On va se mettre comme ça. Très bien. C'est quoi ça? Non, c'est juste le robot. On va continuer à prendre les champignons. Je sais pas si on prend les lapins, si on les chasse, qu'il y a quoi d'intéressant avec les lapins. Les peaux, non. Quoique les vêtements, peut-être. Ah, peut-être. J'ai pas trop envie de tirer. Enfin, quoi qu'on a plein de flèches, ça va. En plus, elle est pas vraiment fatiguée. Waouh. Qu'est-ce que j'ai à tirer trop loin comme ça? Trop haut en fait. Je tire trop haut. C'est pour les pauvres, parce qu'après on a le cerf et tout, donc à la limite la nourriture c'est mieux. C'est mieux avec le cerf, mais attendez. On peut pas faire de feu à l'intérieur. Mais la peau de cerf, ça nous sert à rien, nous. Eh oui, ça nous sert strictement à rien. Et puis on a 4 steaks déjà, donc à la limite, autant... autant prendre les peaux de lapin, parce que les peaux de lapin, ça nous sert. Ça nous sert pour les moufles et pour le casque. Oui, c'est un casque. J'ai dit que c'est un casque, c'est un casque. C'est peut-être un peu trop long. Ah, bah on a bien fait de pas partir, tiens. Elle est marrante, celle-là. On a très très bien fait de pas partir. On a très très bien fait. C'est encore une tempête vraiment ardue ou pas? Ouais. Par contre, on n'est pas poussé par le vent, regardez. Mais quoique, annoncer un peu. Je sais pas. Ah, un peu, ouais. Mais vraiment minime. Hein. On est à moins de 31. Ah, vous imaginez, on aurait pris la corde, on aurait été bloqué là-haut. Bon. Le temps n'est pas très clément en ce moment, donc on a un peu du mal à avancer, j'avoue. C'est pas super agréable. C'est
c'est pas super agréable. Elle est là, la maison. Ok, très bien. Se frotte les mains, hein, s'il fait froid. Très bien, donc on a du tissu, on va pouvoir perdre du temps, parce que là je suis sûr que le temps il va rester pourri jusqu'à ce qu'on dorme. On pourrait casser ça, la limite, la caisse. Casser avec les mains. Ah ouais, là c'est du gros souffle là. Ah ouais, là ça y va. Là ça y va, le gros souffle. Là c'est fou, là c'est aspirateur, attends. Non, peut-être pas aspirateur parce que c'est l'inverse. Genre un truc pour souffler sur les feuilles du jardin. Ça, c'est pas mal ça. Je dis n'importe quoi. La solitude, ok? La solitude rend fou. Et les freezes aussi sur les sauvegardes, ça rend fou, complètement fou. On a fait ça. Il va bientôt faire nuit, c'est un peu le problème. Attendez, s'il commence à faire nuit, on va faire ça, ça. Elle est vraiment pas fatiguée, donc ça va être un gros problème. À la limite, j'ai envie de dire, on pourrait lire, parce que lire, comme ça, on va lire au moins 2-3 heures, peut-être. Et après, pendant la nuit, on va dépecer les lapins. Comme ça, ça nous fera avancer dans les heures. Et après, peut-être que si on dort, on arrivera... Il faut déjà qu'on prenne à manger. On arrivera peut-être au moment où on se réveille, où le ciel s'illumine. Hop, hop. Peut-être, peut-être. On va voir. Mais ça m'étonnerait. Je pense qu'on va devoir attendre quelques heures avant qu'il y ait de la lumière. Ça, c'est un peu un problème. Alors, on fait voir un peu déjà ça. Ça part vite, hein, quand même. Ça part vraiment vite. Les steaks, on pense. Alors, on fait un peu de lecture. Il reste 2 heures. Parce que, vous voyez, on peut lire quand même pas mal. Hein. On peut lire quand même pas mal. Voilà, très bien. Donc là on a lu. Ok, le lit est là. Donc très bien. Donc on a fini le livre, hein, on est d'accord. Ok, on a fini le livre. On va voir un peu les skills, juste comme ça pour le kiff. Arme à feu revolver, bientôt niveau 3, yes. Très bien, très bien. Après il n'y a rien à faire. On n'a pas de pétrole, hein, de carburant pour faire des torches. Non. On va faire ça. On n'a plus que 2 steaks. Ouais, on va devoir peut-être faire cuire les lapins avant de partir. On va faire comme ça, comme ça, comme ça. Mal de l'enfermement, c'est parfait. Très bien. On va faire ça. Ne vous inquiétez pas, le mal de l'enfermement il va bien bien partir une fois qu'on sera au mont Timberwolf. Non, il n'y a pas de bâtiment. Enfin si, il y a un bâtiment. De tête j'ai un bâtiment en mémoire, mais c'est tout. Le reste ça va être dormir dans des grottes. Voilà, donc le mal de l'enfermement honnêtement ça va pas être un problème. On est à moitié pour le repos et il est minuit. Peut-être que... Je sais pas. Peut-être encore passer un peu plus de temps. Ah oui, c'est vrai qu'on en a récupéré quand même pas mal. J'avais oublié. J'avais oublié, on vient d'en récupérer pas mal des petits champignons. Je crois qu'on devrait dormir. Je pense qu'on devrait dormir maintenant.
Quoique. Non, ça va pas être. Quoique. Non, si peut-être. Ah, j'arrive pas. Des fois, j'arrive pas à voir, en fait, à faire le calcul. Parce que vu qu'on voit pas les chiffres directement, j'arrive pas à faire le calcul entre ce qui nous reste, par exemple, de nuit, et par rapport à notre fatigue. Des fois, j'ai du mal à vraiment. Là, je dirais que. Ouais. Genre le ouais entre parenthèses, ok. On va voir. On est en pleine forme. Hey, ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Ouais, on a plus... Je crois qu'il nous aurait quoi? Un steak dehors? Un steak. Et on a presque plus d'eau aussi. Donc, je pense que on va aller combattre l'ours. Le l'ours. Ouais, je dirais. Avant de faire notre voyage jusqu'à l'avion. Parce que après, comme j'ai dit, l'avion, il faudra le faire en une fois, quoi. On peut pas vraiment. On va voir le temps déjà. On va voir le temps, ok. On va voir le temps. Après, si l'ours est trop loin, c'est un peu relou, aussi. Okay, on a un temps tout pourri, c'est bien. Très froid. Moins 34 degrés, super. Aïe 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 aïe. Alors, est-ce qu'on peut le spotter? Enfin, ah oui, non, faut passer le lac et tout. Alors, moins 34. S'il peut venir là, ça serait vraiment magnifique, quoi. Après, on peut le bait un peu, genre faire l'appât et le faire venir ici, mais bon, enfin, je... me faire courser par un ours, c'est pas trop mon kiff. C'est pas vraiment mon kiff. Donc, je sais pas trop. Après, on a un peu de bois, donc on peut faire du feu à côté de son cadavre. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas trop de problème. Si jamais on doit couper la peau et tout ça. Donc, il n'y a pas trop de problème. Et puis, on a la nourriture de lapin. Enfin, la viande de lapin. Donc, on peut faire cuire pendant qu'on attend. Donc, ça va. Enfin, ça va. On a des choses à faire en même temps qu'on fait d'autres choses, vous voyez. Donc, ça, c'est le plus important. C'est bien. Mais... Oh non, mais sans déconner là, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est une blague ou quoi là? Ça reste une blague. C'est ça, on dirait que c'est encore pire celle-là. Moins 46, c'est bien. Je sais pas où il y a des grottes ici par contre. Je crois que les grottes elles sont plus hautes. Donc peut-être que le coup de rester bloqué avec le mal de l'enfermement, ça va nous poser un problème. C'est pour ça que je prends des brindilles pour faire peut-être un igloo. Mais là j'avoue que c'est un peu débile là. C'est vraiment chiant. J'avoue que c'est un peu absurde là. Genre je peux pas avancer quoi. Genre je peux pas avancer du tout. Ça devient relou là par contre, qu'est-ce que je fasse là? Un coup
foudre. Mouais. C'est fun. C'est fun, qu'est-ce que je vous dise, moi. Je vois un peu le mal de l'enfermement. 39%, ça va. On va ressortir. On va, à chaque fois qu'on est chaud, on va essayer de ressortir, récupérer des brindilles, re-rentrer, tout ça. Parce que là, je... Ouais, non, je sais pas quoi faire, mais... On va aller toujours dans une seule direction et après on fait demi-tour. Un 42. Parce que là, ouais, on est un peu, on va dire, dans le jargon, hein, on appelle ça avoir le cul entre deux chaises. Donc on a notre ferme qui est de ce côté-là, on a notre petit camp ici, mais après on a l'avion qui est là-haut. Donc nous, on est en plein milieu. Quoi. Et bah du coup, bah, c'est un peu loin en fait les deux. Mais bon, là on est à l'abri des problèmes, hein, mais on peut pas faire de feu à l'intérieur par contre. Donc tant qu'il fait un temps de merde comme ça, bah, ça veut dire qu'on peut pas manger. Ça veut dire qu'on ne peut pas grignoter. Donc c'est limité. C'est un peu limité. Je crois qu'on est assez loin. Je suis un peu étonné en fait d'avoir des blizzards comme ça, l'un après l'autre. Genre avec genre quoi, 2 heures d'intervalle, 2 heures de jeu d'intervalle. C'est un peu absurde. Ça devient un peu débile. Après, peut-être qu'on peut faire du feu vu que le vent souffle d'un côté et pas de l'autre. À la limite, on peut peut-être faire du feu genre devant la maison ou derrière la maison. Ça dépend un peu du vent. Donc on peut faire ça à la limite. Ça m'embête, on va faire encore un épisode où on fout rien. Ah, ça m'énerve. J'aime pas sortir des épisodes comme ça. Il n'y a pas trop d'action. Après, si je commence à les éditer à max et tout ça, ça gâche un peu le but de la série. Vous voyez, le but de la série, c'est vraiment de montrer tous les événements et tout ça, et de parler sur comment survivre et tout. Et je commence à faire des montages, c'est plus du tout ça en fait. À la limite, je pourrais faire juste des vidéos montage de The Long Dark, et faire une autre série à côté, vous voyez ce que je veux dire. Ah! J'ai l'impression que ça s'est un tout petit peu apaisé. Pas complètement sûr. 39%.
100, c'est bon. Si jamais vous êtes bloqué comme moi, là, à peu près, et que vous avez un problème de, du mal de l'enfermement, faites comme moi, hein. Utilisez le fait que vous avez chaud. Vous sortez, vous récupérez 3 brindilles. Vous attendez que la barre se vide, après vous rentrez, etc., etc. Comme ça, ça évite, en fait, que le mal de l'enfermement monte trop vite. Si on reste à la maison, là, genre tout le temps, là, on serait déjà peut-être à 100%, je pense. Le fait de tout faire à la maison, comme ça. Donc, pensez à ça aussi. Hein. Par contre, on va trouver plein de brindilles. Ouais, là, je crois que je suis sur le chemin pour monter. Ouais, c'est là qu'il faut aller. C'est absolument là qu'il faut aller. Donc, vous voyez, c'est pas très loin. Et après, là, je crois que ça commence à monter. En arc de cerf, comme ça. Donc, c'est pas extrêmement loin, mais... Enfin, il faut y aller, quoi. C'est pas un morceau d'avion, ça? Non, c'est un rocher, ça. Ouais, c'est un rocher. Ouais, il faut monter là-haut. Enfin, encore une fois, je suis pas totalement sûr avec le blizzard, j'ai du mal à reconnaître les endroits, mais... Ah, peut-être pas là, en fait, je sais pas. Faudrait voir. Je sais qu'il y a un passage qui zigzague un peu. Et ça nous permet de monter à pied. Vous n'avez pas besoin de prendre... Ah, mais je crois que c'est ça, là. Il y avait une courbe, là. Je pense que c'est là. Ça évite de prendre j'allais dire les échelles. Non, non, les cornes. Par contre, ouais, on a un petit tas de bois, là. C'est vraiment cool. Donc si jamais on doit faire un igloo, si jamais on doit faire un feu, on est nickel. On est vraiment, vraiment nickel. Ok, donc suivant... Il est déjà à 80... Il était à 100%. Ah, ça c'est quand même bien débile. On l'a mis à 100% il y a genre 5 minutes. Il est déjà à 96% à cause du vent et tout. J'avoue que ça c'est quand même bien, bien absurde. Ah oui, c'est vrai qu'on a... Ah oui, on pourrait utiliser la peau de serre pour ça. Ah, j'avais complètement oublié. J'avais complètement zappé les pantalons, je sais pas pourquoi. C'est pas grave. 94%. On va pas coudre pour coudre quand même. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour passer le temps? Aïe 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 aïe. Vous voyez, ça baisse même. On est à 34. On était à 39 tout à l'heure. Je pense qu'on va coudre pour coudre en fait, hein. On a trois... De toute façon, on a récupéré pas mal de tissus là, avec les rideaux. On va dire que c'est de la couture gratuite. 1h12. Oui, bah alors peut-être pas coudre 1h12 quand même non plus. Faut pas exagérer. On va recoudre ça. Non, ça. Ah, mais ça se fait aussi, je crois. Ouais, c'est 50 minutes. 30 minutes. Ouais, 30 minutes, ça suffit pour se réchauffer. Voilà. Bon bah c'est reparti, on va peut-être manger, après on ressort. Ah oui, il faut prendre la nourriture à l'extérieur. Oh mon dieu, c'est pas drôle. Ok, après on a 4 morceaux de viande. Mais ouais, on peut faire du feu à l'extérieur là, juste là, parce que le vent il a pas l'air de tourner. Donc à la limite on peut faire ça si c'est vraiment une catastrophe. Et le fait de faire du feu à l'extérieur, du coup on va brûler les choses et tout ça. Enfin on va cuire. Ça nous permettra de combattre le mal de l'enfermement. Oh, vous avez vu tous les bâtons? Pourtant je suis sûr qu'on est déjà venu là. Mais à cause de la tempête, les bâtons réapparaissent du coup. Ça casse les branches et tout ça. Un peu. Oui, on est déjà venu là. Bonjour Jupiter, ça va? Il fait froid, hein. Après, on a les massettes aussi. Il nous faut une dizaine de massettes en réserve. Ouais, on va revenir.
Après, les vêtements, si on fait quoi comme ça, on fait des allers-retours. On a, les vêtements n'ont pas le temps de se mouiller ou quoi que ce soit. Je vais les montrer après, une fois qu'on a passé la porte. Parce que normalement, ils ont l'humidité qui augmente dans des blizzards comme ça, dans les tempêtes. Donc là, on risque rien. Elle est où la cabane? Regardez-moi tout ça! Ça me rappelle un peu à la fois où on avait campé genre derrière un tronc d'arbre parce qu'on était dans une tempête et il y avait une maison à côté, dans le, c'était au lac Mystère. Il y avait une maison genre à 3 pas. Mais on la voyait pas vu qu'il y avait le blizzard et on était en train de mourir de froid. Donc on était obligé de se protéger derrière le tronc d'arbre. C'était marrant, on avait fait un feu et tout. On avait prié pour que le vent ne change pas de direction et tout, mais on a survécu comme ça. Donc ça s'est super bien passé, mais c'était drôle parce qu'on avait juste une maison à côté. C'est assez comique. Ok, donc voilà, nos vêtements deviennent humides parce que... Blizzard. Et c'est les vêtements en fait qui sont à l'extérieur qui deviennent humides. Donc c'est pour ça que par exemple celui-là devient humide et pas l'autre. Ça aussi, c'est parce que ça c'est par-dessus, la chapka c'est par-dessus notre bonnet. Après il y a les gants, bon on n'a qu'une paire de gants de toute façon. Et après les bottes en premier, et après il y a les chaussettes dedans, donc c'est pour ça. Alors après ce qu'ils ont fait c'est un peu bête, c'est un peu débile, et ça j'en avais déjà parlé maintes et maintes fois. C'est qu'ils nous donnent pas vraiment... genre, qui est à l'intérieur et qui est à l'extérieur, parce qu'il y a écrit couche extérieure, d'accord? Mais il y a écrit couche extérieure en fait sur les deux. donc c'est faux en fait de montrer ça. Ils disent que c'est la couche extérieure, oui, mais c'est parce que c'est exposé à l'extérieur. Mais celui-là aussi, il devrait être du coup. Vous voyez ce que je veux dire? Et en gros, c'est l'un sur l'autre. Mais dans cette colonne-là, c'est à gauche en fait ce qui est à l'extérieur. Et dans cette colonne-là, c'est à droite ce qui est à l'extérieur. Donc ça aussi, ça porte des fois à confusion, je dirais, pour ceux qui connaissent pas vraiment le jeu. Parce que là, on peut le voir que là, ça s'est mouillé, donc c'est celui, c'est le premier, c'est la couche extérieure, et ça c'est le deuxième. Et là, c'est ce pantalon-là qui est humide, donc c'est celui-là qui est exposé, et ça c'est celui-là qui est à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est mal fait, c'est mal fait. Après, le sac, je sais pas où il est, le sac. C'est bête qu'on ait pas de... Ouais, on n'a pas de graphisme en fait pour le sac, on le voit pas, ça c'est bête, ils auraient dû faire ça. Par contre la chapka et tout ça, ça prend cher, un peu relou. Enfin, après je dis ça, mais on a des boyaux et on a des peaux de lapin. Ouais, on va coudre pour coudre. De toute façon on a des trucs de pêche là. Comment ils appellent ça? Kit de pêche. Matériel de pêche. Ouais, le kit de pêche. Ça, on va le déchirer aussi. On va un peu le 15, on a encore 15. Et là, je crois qu'on en a 8. 8, très bien. Allez, on ressort. Donc, on arrive à survivre comme ça. Ok, le vent a tourné. Donc là, ça aurait été un problème. On pourrait faire du feu là, je crois. Ah ouais, on peut. C'est pas mal. J'ai envie de dire... On peut peut-être en faire. Il fait moins 30. À l'abri du vent, il va faire combien? 14. Ok, là, quand on retourne, on va faire du feu. Parce qu'on va faire du feu, en fait, ce que je suis en train de me dire. Autant faire du feu pendant la tempête. Parce qu'on peut pas bouger, de toute façon, on est bloqué sur place. Donc autant faire du feu pendant la tempête, cuire pendant la tempête, faire de l'eau pendant la tempête. Et une fois que la tempête... Il y a des bruits bizarres. Une fois que la tempête sera partie, bah nous on pourra explorer. Donc autant faire ça maintenant.
va rentrer. Autant faire ça. Mais bon, j'espère que ça va s'arrêter parce qu'honnêtement, ça devient un peu chiant de jouer si c'est tout le temps ça. Voilà, ça sert à rien d'avancer quoi. Enfin, après, on pourrait faire genre extrême. On pourrait quand même avancer donc. Ouais, non, on va se taper quoi ? À l'hypothermie, on va être malade. Et puis après, on pourrait se taper un risque de gelure. Et ça, c'est, par contre, ça sera un gros problème. J'ai failli louper la maison. Ça, par contre, le coup de la gelure, ça sera un gros problème. Pour ceux qui savent pas, la gelure, c'est moins 10% de votre vie. Constant, en fait. C'est, la gelure reste. C'est fini, quoi. Une fois que vous avez une gelure, c'est fini. Vous pouvez pas l'enlever. Alors, je voulais juste me réchauffer un tout petit peu, le temps que... ressorte et on fasse un feu. Donc on a ça à cuire, on a de l'eau à faire aussi. Et après, bon, si le vent tourne, on n'aurait pas de chance que le vent tourne. À la limite, on peut refaire un feu de l'autre côté, parce qu'on a quand même pas mal de bois. Donc c'est pas trop grave. Ok, je pense que ça suffit. Je pense que c'est bon. Ouais, let's go, on va faire du feu. Moins 10, très bien. Moins 10, c'est aussi le fait d'avoir des très bons vêtements, comme j'ai dit, si on reçoit pas le vent, on est vraiment très très protégé en fait du froid, donc dès qu'on se met à l'abri, bah voilà, moins 10 au lieu de moins 30, 32. Donc, c'est pour donner un peu de chaleur, vite fait. Alors, on va peut-être mettre l'eau directement. Il faudrait peut-être mettre un peu plus de chaleur. Voilà. On est bien là, en plus ça fait petite maison comme ça, petite maisonnette. On est à 10 degrés, on va mettre un plus, comme ça on sera à 11. Ah, on ressent moins 7. Ah, on ressent moins 7 quand même. Ah, j'ai dû regarder trop tôt en fait. Ça devrait être bon comme ça. Voilà, très bien. Donc là, ouais, on a fait un feu de 3 heures. Là, on a encore tout ça de bois. Là, on est plus protégé, pardon. Ouais, ça va. C'est tranquille. Il manquerait plus de voir des animaux arriver là dans le blizzard. Le truc qui serait vraiment bien, c'est que l'eau ait le temps de finir en fait. Attendez. C'est so cold. Lay down for a bit. C'est le vent s'est arrêté. Le blizzard en fait a changé de direction, mais il a changé de direction et il s'est arrêté.
Donc du coup notre feu en fait a été soufflé par le vent, mais il y avait encore les braises chaudes, donc on a pu relancer en fait le feu directement. Très bien, très bien. Comme ça on peut finir tout ce qu'on a. Oh, j'ai eu peur là. Par contre on a pris un peu cher niveau vie surtout. Faut pas que le vent se re... Faut pas que ça revienne en fait. 28 minutes. Très bien. 30 minutes. Être fatigué. On va aller voir pour l'ours. J'ai envie d'aller voir pour l'ours. Oh, un cerf. À la limite, go le cerf. On va essayer de le pousser vers la maison. Parce que je pensais pas rester aussi longtemps ici en fait. Et du coup, on va commencer à avoir du mal pour la nourriture. Je sais pas si on va pouvoir le pousser. On va d'abord voir l'ours. Ce serait bien. Massette là. Là faut faire un peu tout en même temps, là ça c'est un peu la merde. Attendez. Je sais pas où il niche en fait, l'ours. On a des lapins. On va prendre le lapin. On voit pas grand chose encore. Hein. Jouer. Et on rentre. On rentre, on va voir si on peut pas pousser le cerf vers chez nous. On lui met une flèche, on le tue, ça nous fera de la nourriture en réserve. C'est vrai que là, on n'a pas de réserve. En fait. Tout simplement, on n'a pas de réserve. Et ça risque de poser un problème. On y arrive petit à petit, hein, mais ça prend du temps. Ça prend une masse de temps. Hein. C'est un peu une catastrophe. Bon, est-ce qu'il s'est remis là? Est-ce qu'on est en train de le pousser? Ah merde, mais... Ah, ça devient relou. On verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Maintenant le vent s'arrête et tout. C'est bien. Voilà. On va ramasser ça. On rentre. On a encore du bois, ça. Non, ça va, on est sorti d'affaires, on va dire, pour le moment. Il faut juste se faire le cerf pour qu'on mange. Et à la limite,
À la limite, l'ours, comme j'ai dit encore une fois. Mais on a de l'eau. On n'a plus de nourriture. Bon, on a encore le lapin. Donc ça va. Ça va. Ça va vite fait, quoi. Il y a pire. On va dire qu'il y a pire. On va voir si on peut pas le récupérer, le cerf, maintenant. Enfin, le tuer, au moins. Puis après, on récupérera la viande plus tard. C'est le cuit. C'est le frais. On voit rien. Il fait un peu plus chaud. Putain, par contre, je vois pas grand-chose. Il est là. Alors, je voudrais vraiment pouvoir le pousser, en fait, sur... sur notre camp, comme ça on n'a pas vraiment besoin de se déplacer. Mais je sais vraiment pas si on va pouvoir le faire. Faire attention que l'ours vienne pas nous dire bonjour non plus. Il est où? Il doit être derrière un arbre. Il est là. Ah, mais t'es relou! Il va jamais où il faut. Bon. Bon, bah on va rentrer. Ça va être la fin de notre épisode. Et du coup, c'était la survie, en fait, du blizzard. J'avoue que c'était la survie du blizzard. Mais on a survécu. On a survécu. Bois. Non, non plus. On a survécu à cette série de 3 blizzards. Enfin, avec l'épisode d'avant, ça fait au moins 4, je crois, de Blizzard qu'on se prend, genre avec très peu d'heures d'intervalle. Donc c'était... je sais pas, on va dire intéressant. On va dire que c'était intéressant. Ça l'était. Oh, mon dieu, quoi. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. On va s'arrêter là. Donc on a encore le mal de renfermement, on est à 24%, c'est très bien, elle est vraiment très fatiguée. On n'a plus vraiment, on n'a pas de réserve pour manger, on a juste un petit steak de lapin. Mais c'est pas grave, on va... J'ai peur que le cerf en fait parte. C'est ça le problème, j'ai peur que le cerf s'éloigne et parte. Donc j'aimerais bien le tuer maintenant, même si c'est pas pour le dépecer maintenant, vous voyez ce que je veux dire. Mais il commence à faire un beau temps là, mais il faut vraiment qu'on dorme. Oui. Ah bah là, il est là. Donc ouais, j'ai envie de le prendre maintenant, le cerf, de se le faire maintenant. C'est pas une grotte, ça? Non, c'est un rocher, ça. Un gros rocher. C'est pas une grotte, ça? Non. Voilà, ça, c'est déjà ça de fait. J'ai envie de... On va avoir froid. Non, même pas. J'ai pris 2 steaks en fait, c'est pour les feux. À chaque fois je le fais comme ça, par 2.
Comme ça, si jamais on fait un feu, on a deux emplacements direct. Donc hop, on met deux steaks et on les fait cuire en même temps. Donc là, honnêtement, on est plus ou moins sorti d'affaire. On va pas le faire maintenant, mais on va le faire plus tard. Non, non, là on est bien. Là on s'est remis un peu d'aplomb et tout ça. Non, ça va, c'est cool. Faut juste espérer que bah, la prochaine journée... qu'il passe pas encore la même merde. La même merde de temps, quoi. C'est vraiment ça le problème, c'est le temps. C'est vraiment le temps. Là, blizzard, 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 ça va, quoi. C'est peut-être un peu exagéré. Ah, très bien. On se refait petit à petit. Alors on va dormir le plus possible et moi je vous vois pour le prochain épisode. Donc encore une fois, le prochain épisode, on va possiblement récupérer plus de viande pour le cerf. On va peut-être pas faire tout cuire parce que sinon ça va nous prendre beaucoup de temps. Et après on ira vers l'avion. Si vraiment genre il fait chaud, parce que des fois dans la vallée charmante il a fait chaud de temps en temps, on monte directement à l'avion. Et du coup on ira se poser en fait à l'avion ou quelque part par là et on essaye de faire un camp. Sinon comme j'ai dit, on s'occupera du cerf et on essaiera de stagner encore un peu là. Peut-être encore le coup de l'ours, on verra ça. Mais voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous dis très bon week-end, très bon dimanche, très bon samedi et à la prochaine. Ciao ciao.